C'est vrai qu'en première année, en anglais, on tourne une vidéo, on présente l'IUT en anglais. Et avec mon groupe d'amis, on s'est demandé bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se démarquer par rapport aux autres groupes. Et là, on s'est dit, bah, tiens, on va interviewer le chef de département. Sauf que là, gros stress, grosse panique, on toque à sa porte. En fait, on s'était rendu compte qu'on avait oublié de lui préciser que c'était en anglais. Mais il a quand même accepté, et d'ailleurs, je le remercie s'il regarde cette vidéo. Je suis en GEA, donc gestion des entreprises et administration à l'IUT GEA de Draguignan. Je suis actuellement en deuxième année de DUT gestion des entreprises et administration, en option gestion comptabilité et financière. J'ai d'abord fait un baccalauréat économique et social, option sciences politiques. Après, j'ai fait une année à l'université en fac éco-gestion avec le parcours administration économie et sociale. Mais comme l'université, ça ne me convenait pas trop, j'ai choisi plutôt de m'orienter en DUT GEA pour rester dans le domaine de la gestion. Du coup, j'ai choisi GEA comme tremplin. J'ai validé un baccalauréat S et donc là je me suis retrouvé donc en première année l'année dernière donc en GEA, donc dans le même établissement, et je suis actuellement en deuxième année de GEA toujours. Nous abordons plusieurs matières, donc je pense notamment au management pour la première année, au marketing, à la communication. On apprend beaucoup tous les aspects de la gestion d'une entreprise, que ce soit en passant de l'économie de marché à l'aspect plutôt juridique et fiscal, même de la comptabilité, des ressources humaines et même de la communication. Mais en deuxième année, vous allez pouvoir donc vous spécialiser également. Donc vous allez pouvoir découvrir des matières comme donc le marketing opérationnel. Vous allez pouvoir approfondir quelques notions donc en communication. Vous allez avoir de la culture générale, du management cette fois-ci, donc de la gestion d'entreprise. Vous allez pouvoir créer une entreprise fictive et aussi donc la gérer. Vous avez plusieurs aspects, donc même sur le droit et sur la gestion des ressources humaines. Être vraiment rigoureux, appliquer et surtout ne pas se laisser déborder par le travail, donc vraiment être consciencieux. Tout le fait d'être polyvalent, aussi d'être créatif, être assez organisé. Faut aussi aimer le travail d'équipe, bon, être à l'aise aussi à l'oral. Bon, le DUT nous permet de nous aider quand même là-dedans. Alors, c'est vrai que du coup, le DUT, il offre un grand panel de possibilités après la fin de la formation. D'abord, on peut soit s'arrêter et rentrer directement sur le marché professionnel, ce qui est bien comme tremplin. Donc vous pouvez très bien entamer une licence 3 économie-gestion, une licence 3 dans les ressources humaines. Voilà, donc vous êtes un peu ouvert à tout, mais donc vous pouvez faire une prépa ATS par exemple. Ou soit on peut particulièrement se spécialiser, juste se spécialiser dans une licence professionnelle, ou même après accéder à deux grandes écoles de commerce, ou même aux IAE. Vous pouvez également directement intégrer une école de commerce, faire donc une licence professionnelle, une licence en alternance. Voilà, vous avez donc toutes les portes sont ouvertes à vous. Suffit juste de choisir votre domaine qui vous plaît le plus vis-à-vis des matières abordées durant ce DUT. Et d'ailleurs, le DUT est assez recherché et apprécié même pour la poursuite. Alors oui, donc pour la première année, on a 4 semaines de stage et donc pour la deuxième année, on a 8 semaines de stage, ce qui fait un total de 12 semaines pour les 2 ans. Et bien sûr, l'entreprise est au choix de l'étudiant. En deuxième année, on peut choisir un stage qui est plus par rapport à notre option. Alors il y a une possibilité de faire ces stages à l'étranger et voilà, donc directement, il y a un partenaire qui est notamment donc, le Canada. Donc vous pouvez très bien après bon, voilà, faire des stages n'importe où dans le monde, mais voilà, il suffit juste de faire son dossier, sa demande, et voilà, en fonction, voir si la demande est acceptée. L'ambiance est très très bonne. Comme on est peu, du coup, avec un petit effectif, Ça fait comme une deuxième famille, si je puis on dire. peut avoir des désaccords, des tensions, mais à côté de ça, on peut avoir de grands moments de solidarité quand on s'investit dans des projets du coup en groupe. Parce que vraiment, on est très proche des professeurs, très proche des élèves finalement. Donc, c'est vraiment très agréable de travailler. Et même, ça crée de bonnes amitiés. On se sent accompagné. J'ai été vraiment surpris par l'accompagnement des profs, la volonté
qu'on réussisse. Voilà, donc c'est vraiment agréable. Ça a été surtout le fait d'être en petits effectifs, parce qu'après avoir connu l'université, on était plus de 500 dans un amphithéâtre. Là, c'est vrai qu'en DUT, on se retrouve à être des petites promotions. Du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, on peut voir une certaine bonne ambiance, enfin, un peu le côté un peu famille et tout ça. Et surtout, j'avais des a priori sur donc, cet établissement et surtout la ville dans laquelle il se situait. Et finalement, avec toutes les choses qui sont mises à notre disposition, ça, c'est vraiment agréable. Alors oui, j'ai du temps libre, donc il faut savoir qu'on a le jeudi après-midi consacré du moins au sport. On a l'université met à notre disposition donc le SWAP, ça s'appelle, et on peut pratiquer du sport. Mais on a quelquefois, on a de petits espaces dans notre emploi du temps où là on va plutôt réviser ou même se reposer un peu quand même. Les horaires, c'est de 8h30 à 17h30 et dans la globalité, donc dans la majeure partie du temps, nous n'avons pas cours le samedi. C'est vrai qu'en première année, en anglais, on tourne une vidéo, on présente l'IUT en anglais. Et avec mon groupe d'amis, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se démarquer par rapport aux autres groupes. Et là, on s'est dit, on va interviewer le chef du département. Sauf que là, gros stress, grosse panique, on toque à sa porte. En fait, on s'était rendu compte qu'on avait oublié de lui préciser que c'était en anglais. Et du coup, on était là, on était bien embêtés, on était là en tout cas, on était hyper gênés. Et du coup, bon, il était un peu embêté, mais il a quand même accepté. Et d'ailleurs, je le remercie s'il regarde cette vidéo. J'ai pu retrouver donc différentes matières qui me correspondaient totalement, comme l'économie, la gestion, le management. C'est vraiment ce qui me plaît et ça correspond tout à fait avec mon projet professionnel, donc pour ma poursuite d'études et voilà. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout d'aborder la gestion en général dans plein de domaines et que c'est vraiment hyper professionnalisant. Et aussi, je pense aussi au côté vraiment créatif parce qu'on fait beaucoup de projets. Et moi, ça m'a aussi beaucoup permis d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Il ne faut vraiment pas hésiter. Si les matières abordées t'intéressent, tu vas t'éclater. Aussi que du coup, le DUT est assez vaste. Il y a beaucoup de matières quand même. Et du coup, même les matières qu'on n'aime pas, il faut quand même s'accrocher et persévérer là-dedans. C'est vraiment une bonne ambiance et que je pense on ne retrouve pas autre part ailleurs. Et comme je le disais, du coup, le DUT, il offre quand même un grand panel de choix et il permet un très bon tremplin. Si on est encore perdu, c'est un super parcours pour débuter dans les études.